Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je fais une review The Walking Dead avec l'action figure de luxe. Vous pouvez le voir donc à travers la boîte avec son arme, ici fusil à lunettes, un magnum, un bras supplémentaire et ici un couteau. Ici on voit son portrait, le logo AMC The Walking Dead, ici écrit Deluxe Action Figure. Ici le dessus de la boîte, donc ça fait 25 cm, c'est McFarlane Toys qui produit cette figurine. Sur le côté, une photo de dos, voilà. L'autre côté, une autre photo de Rick Grimes. Et voici l'arrière de la boîte. Donc toujours le logo The Walking Dead, des photos de Rick. Ici on a écrit avec bras de rechange, revolver, couteau de poche et carabine. Et ici nous avons la série 6 en figurine normale. Et j'avais fait la review des 4 ici. Donc les voici à l'arrière. Donc vous pouvez aller voir la vidéo sur ma chaîne. Donc voici pour la boîte, maintenant je vais le déballer. Alors le voici sorti de la boîte. Donc je vous montre les éléments supplémentaires que je vous ai dit, le revolver, le couteau, le bras. Donc le couteau on peut le mettre dans sa main ici. Voilà. Donc je vais vous montrer son visage. Donc il a les yeux bleus. Donc avec le flash ça fait moins bien parce que ça aplatit un petit peu les effets d'ombre et tout ça. Donc c'est un peu dommage. Mais il est quand même très ressemblant, surtout de profil, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc les cheveux, super bien fait, la barbe aussi. Donc là, il tient comme ça son arme. Mais il faut savoir que son bras peut se retirer ici. Il est articulé là. Sa carabine, fusil à lunettes. Donc on peut retirer aussi, bien sûr. Vraiment très bien faite. Donc par contre, la tête ne bouge pas, elle est particulée. Il peut rester que dans cette position. Il a sa montre ici, en argent. Voilà. Sa ceinture, qui est vraiment très bien faite. On a des sacoches, ici un rasoir. Ici, en fait, on peut ranger son revolver. Donc voilà, des petites sacoches. Son pantalon avec un effet d'usure dessus. Et ses chaussures. Donc voilà pour cette pose. Je vais à présent retirer son bras pour vous montrer l'autre pose. Alors voici l'autre pose. Enfin avec l'autre bras. Donc ça fait une autre pose du coup. Donc il tient son revolver à la main. Voilà, donc en fait le bras se retire à ce niveau là. Voilà. Et là j'ai rajouté le couteau. Donc on peut bouger un petit peu la main. Un petit peu comme ça. En fait, c'est articulé. Et un petit peu l'avant-bras, comme cela. Donc voilà. Donc quelle est votre pose préférée? Celle avec la carabine ou celle avec le revolver? Moi je pense que je vais remettre celle de base pour refaire la pose. Voilà. Donc merci d'avoir regardé. Moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une prochaine review The Walking Dead. Salut!